Je m'appelle Julien Lauten, je suis étudiant en archéologie à Bordeaux et photographe amateur. Et je me suis spécialisé dans la photographie de nuit, donc ce qu'on appelle l'astrophotographie. Alors l'astrophotographie, ça regroupe une panoplie de types de photos qu'on peut faire, de la photo panorama avec un grand angle, jusque à la photo d'une seule étoile ou d'une seule galaxie ou nébuleuse. Et donc moi, en fait, récemment, j'ai fait une photographie du château de Loos avec le Herglo. Et cette photo a été pas mal médiatisée. Donc par exemple, pour faire ce genre d'image, et ce qu'on va essayer de faire ce soir ici au château de Comarques, c'est une photographie en panorama. Donc elle va regrouper une cinquantaine d'images qui seront collées sous la forme d'un grand puzzle qui permettront d'avoir une vue assez large pour voir l'ensemble de notre galaxie, la Voie lactée. Donc la Voie lactée, elle se repère dans le ciel en ce moment à partir de plusieurs étoiles. Donc on commence au sud avec Sirius, qui est une étoile très brillante. Ensuite, cette Voie lactée, elle se prolonge vers Mars. Plus en dessous encore, on pourra évidemment voir Vénus. Et cette Voie lactée, elle se termine au nord par la constellation de Cassiopée et de la constellation du Cygne. Donc l'objectif, c'est de créer une grande arche de cette Voie lactée qui surmontera le château de Comarques en Dordogne.